Vous êtes sur RTL. C'est un félin, le caracal. Le lynx. Le lynx. Oui. Bonne réponse de Gérard Jugnot, le lynx. Pourquoi tu sais ça, Gérard? Parce qu'il paraît que c'est en voie de disparition. Exactement. Je savais pas qu'il y avait des lynx en France. Il y a des lynx encore en France, oui. Mais plus assez. C'est une espèce qui n'est pas suffisamment protégée, dit l'association évidemment de protection des animaux, et ainsi que comment s'appelle d'ailleurs l'association en question? Les Amis des Lynx. Non. Les potes de caracal, ça s'appelle. Non, la World Wild Protection. Optique 2000. Non, la fondation... Les yeux de lynx. Non, la fondation 30 millions d'amis. Ah ben voilà, parce j'étais pas loin. Il y a 21 lynx qui avaient été réintroduits dans les Vosges dans les années 80-90. Et aujourd'hui, l'espèce a de nouveau quasiment disparu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les mangent. Les braconniers. Il y aurait que 4 ou 5 lynx seulement qui resteraient. Alors, en cause, ça c'est assez fou parce que c'est pas seulement le braconnage, c'est aussi les collisions sur la route. C'est parce qu'ils voient pas bien, contrairement à ce qu'on dit. Ah bon? L'œil de lynx, en fait, il ne voit pas bien, donc il se tape dans des voitures. Ils ont qu'un seul œil. Ah oui ? On dit l'œil de lynx, on dit pas les yeux de lynx. Oui, je sais. Mais en fait, c'est une légende. On dit les œufs de lynx. C'est une légende, l'œil de lynx. Mais tu sais que ce n'est pas les lynx qui se jettent sous les bagnoles, c'est les bagnoles qui tapent qui écrasent malencontreusement les lynx. Non, c'est parce qu'ils sont aveuglés par les phares. Et ils faisaient du stop. Ils foncent dans la bagnole. Ils sont... C'est comme quand tu es attiré par ce qui brille. Tu vois ? Ben le lynx, il fonce dans les phares. Ça fait du bien d'avoir une scientifique quand même dans les. Oui, mais je savais pas qu'elle avait étudié les lynx. Mais je suis ravi que tu saches. Mais pourquoi ils traversent les routes pendant que les voitures circulent, les lynx? Parce qu'ils sont attirés par la lumière. Parce qu'ils font du stop. Mais c'est quand même pas gentil pour les Vosges de les réintroduire dans les Vosges. Les lynx? Oui, parce que c'est déjà pas une région facile. Ouais. Ah, vous voulez dire, il faut laisser les Villemains laver leurs lynx sales en famille? Oh là là! C'est tellement gracieux en plus le lynx parce Oui, c'est gracieux. Oui. Non mais au bout des oreilles, il y a comme une petite touffe de poils. Oui. Non mais c'est vrai. C'est ça. Mon boucher aussi, il a des cons. C'est très joli quand on épluche les oreilles des lynx pour faire des. Mais non, ça c'est les taureaux. Non, c'est les petits pois. Quand on les écosse. En tout cas, les lynx ont été réintroduits dans les Vosges et depuis, bah, y a eu des accidents de la route qui ont fait qu'il y a moins de lynx qu'avant. Et effectivement, il y a aussi quand même quelques braconniers, ça va de soi. Mais c'est pas seulement ça. C'est vraiment les accidents de voiture. Et ben moi, je pense qu'il faut les dresser pour ne pas aimer la lumière. Il faut les apprendre à leur crever les yeux. À vivre dans le noir. Il faut leur apprendre à conduire surtout aux lynx. Leur crève les yeux. Il faut leur apprendre à traverser aux lynx. Oui. Voilà, dans les passages cloutés. Enfin... Ou alors leur mettre des gilets jaunes. Mais ça se trouve, il y a des lynx qui se cachent bien. Ouais, vous voyez. Comment ça? Au moment où les gens comptent et ils disent il n'y a plus que 4-5 lynx, ça se trouve, c'est juste des lynx intelligents qui sont bien planqués. Qu'est-ce que vous en savez? Ah ouais, mais alors, ton raisonnement, si ça se trouve, c'est toujours le même, qui se cache et qui réapparaît. Et en fait, au coin qu'il y en a 4, il n'y en a plus qu'un seul. Non, mais ils doivent être bagués. Ils sont pucés. Oui. On leur met des puces. Ouais. Mais pourquoi tu t'y connais si bien en lynx? Parce que ça fout un peu les jetons. Je suis très intéressée par la forêt, tout ce qui se passe dans la nature. Et alors, donc, le caracal est une forme de lynx. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a plusieurs. On dit un caracal des caracos ou comme un grivois des grivaux. On dit des caracos, mais ça c'est dans la mode. Oui. Ah je sais pas. Moi j'aurais dit comment on dit les chacals? On dit des chacals. Eh oui. Alors un caracal. Des caracals. Des caracals. Vous avez raison.